Le champ des possibles, l'idée de départ, c'est de créer une fanfare poétique. Et le jeu de mots avec le jeu de mots avec le chant, c'est aussi un rapport avec la voix, la mélodie, qui reste, à mon avis, dans les compositions qu'on a, omniprésente. La mélodie est toujours présente, c'est toujours des morceaux qu'on peut chanter, toujours des morceaux qu'on peut fredonner, siffler, avec la présence de l'improvisation. J'essaye de varier le plus possible les champs artistiques, de mélange artistique. C'est-à-dire, on peut très bien jouer avec un vidéaste, comme avec des danseurs. Et aussi, on a le projet qu'on a plus développé, c'est en direction des écoles de musique. Donc on a commencé à faire ça au Rhino Jazz en octobre 2014. Et voilà, on a travaillé avec quatre ou cinq écoles de musique différentes qui nous ont proposé des groupes d'élèves. Et pour chaque groupe, on a écrit des choses spécifiques. C'était vraiment jouer ensemble et en cherchant une qualité artistique, quel que soit le niveau des élèves. Ouais. Fais la première. Et il a du son, lui. Hein. Très bien, fais la première. Moi aussi, j'en ai du son. Deux octaves au-dessus. Et ça nous permettait d'explorer une possibilité qui était de rajouter une cinquième voix au quartet, parce que quatre guitares électriques, quand on rajoute ça à un quartet acoustique, qu'est-ce que ça nous rajoute comme couleur? Ils n'avaient pas un niveau exceptionnel de guitare, ils jouaient des trucs super, mais ils n'avaient jamais joué le type de musique qu'on leur a fait faire. Donc ils étaient... Ils ont découvert ça. Au début, la première répète, c'était un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, à la fin, à la limite, c'était le groupe qui était le plus à fond, quoi. Et ils ont fait des trucs super. Et là, on se dit, mais génial, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis, on rajoute tuba, trombone. Et tout ça, c'est des couleurs, tout ça, c'est des couleurs en plus qu'on peut explorer avec ce quartet-là. Et au total, c'est toujours des super expériences. Et là, et puis en particulier le concert qu'on a fait à Nova Sierra, c'était quelque chose d'assez magique parce qu'en plus c'était bien mis en lumière. Et là, tout le monde était vraiment dedans. Il y a une acoustique particulière, ça résonne beaucoup. Il y avait une émotion ce soir-là qui est encore plus que les trois autres soirs. Quoi. Thank you.
Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué sur le projet avec le Rhino Jazz. C'est-à-dire que ce morceau-là, il ne sonne pas de la même façon qu'on le joue ici, à Nova Sierra, par exemple, dans cette usine-là, où il ne sonne pas de la même façon si on le joue dans une église. Et à chaque fois, on a essayé de s'adapter au lieu aussi. Avec les différents morceaux, on a essayé de s'adapter au lieu. J'ai trouvé ça très fort, même émotionnellement, qu'on puisse se servir du lieu aussi comme support de, entre guillemets, de mise en scène et de scénographie, parce que on a le projet avec l'ensemble de trompettes où toutes les trompettes se baladent dans le lieu avec la résonance, et du coup le lieu même devient un instrument à part entière du morceau. La deuxième chose qui a été très très fort sur ce projet-là, c'est de se dire que à chaque morceau, à chaque groupe de musiciens différents correspond une expérience très très forte, à la fois émotionnellement et à la fois musicale. Et tout ça fait que mis bout à bout, c'est une richesse artistique et une richesse humaine qui est très 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 forte. Une rencontre qui est très 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 forte. Thank you.